Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dimanche prochain c'est Pâques, et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un Kinder Surprise XXL. Bon mais sur ce, bon mardi à fond, 2 pouces bleus, et surtout abonnez-vous à TikTok, à Instagram et à YouTube ici même. Bon bah allez, c'est parti pour la préparation de ce Kinder XXL, allez let's go. Alors pour la préparation de ce Kinder XXL, il faudra bien sûr pour la coque en chocolat, beaucoup de chocolat au lait, et avec pour l'intérieur de la coque en chocolat il faudra beaucoup de chocolat blanc. Regardez tout ce que j'ai acheté là, j'ai vidé le stock du supermarché là. Et ensuite à l'intérieur du Kinder Surprise je vais mettre des Kinder Bueno. Là ça c'est vraiment excellent, mais en plus à l'intérieur ça va être trop bon hein. Et ensuite pour faire le moule de ce Kinder, je n'ai pas trouvé de moules en magasin, c'est introuvable vraiment. J'ai trouvé des moules petits ronds, mais des moules XXL ronds, c'est introuvable. Du coup, j'ai vu que c'était possible de gonfler des ballons. Et ensuite, on va le napper de chocolat. Ensuite, on va faire exploser le ballon. Et il restera que la coque en chocolat. Ça va être trop cool là. Bon, allez, c'est parti pour faire fondre tout ce chocolat. Pour faire la coque en chocolat. Allez, let's go. Ça me donne trop envie ce chocolat. Ça c'est vraiment excellent. Dites-moi en commentaire, quel est votre chocolat préféré? Vous préférez quoi? Du chocolat noir? Du chocolat au lait? Ou alors, vous préférez du chocolat blanc? Dites-moi tout ça en commentaire. Bon bah allez, là j'y travaille pour couper toutes ces tablettes de chocolat. Et ensuite, je vais le faire fondre au micro-ondes quelques secondes. Bon bah allez, à tout à l'heure. Le chocolat a bien fondu, regardez ça. Là, on se croirait trop dans Charlie, la chocolaterie. Il y a une grosse quantité, c'est énorme. Bon, mais du coup, allez, c'est parti pour l'étaler sur le moule. Alors, moi, mon moule, ça sera des ballons. Bon, allez, je vais gonfler le ballon. Allez, je fais un nœud. Ah, ça, les nœuds, c'est galère à faire. Oh là, c'est bon. J'ai réussi le premier ballon. Et maintenant, c'est parti pour faire le deuxième ballon. Parce que là, ça fera une demi-partie du sphère en chocolat. Et l'autre ballon, ce sera l'autre partie. Bon, allez, on gonfle l'autre ballon. Par contre, il faut que ce soit un peu la même taille. Parce que si c'est difforme, ça n'ira pas. Alors, le jaune, il faut gonfler un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Bon, allez, je fais le nœud de ce ballon jaune. Et c'est parti pour étaler le chocolat par-dessus. Alors pour ça, j'ai pris un pinceau et on fera plusieurs couches. Alors aussi, j'ai pris des petits bacs comme ça. On va poser le ballon par-dessus et au moins, ça nous aidera à le tenir. Bon allez, c'est parti pour étaler le chocolat par-dessus. Par contre, la seule difficulté, il ne faut pas que le chocolat soit trop bouillant parce que si on le met par-dessus, le ballon il va exploser. Donc du coup, là, je pense que c'est la bonne température. Bon allez, je commence à étaler le chocolat par-dessus. C'est trop satisfaisant, regardez ça. J'adore. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié, je crois, le plus gros truc. Il faut pas mettre le chocolat par-dessus comme ça. Parce que sinon, quand on va dégonfler le ballon, ça va pas marcher. Il faut mettre de l'huile végétale par-dessus. Bon, mais du coup, celui-là, il est mort. Ce ballon, il est mort. Bon, bah allez, c'est parti pour le faire exploser. Oh, oh là là. Oh. Oh merde, il y avait du chocolat par-dessus. J'en ai partout dans la chambre. Oh, oh merde. Même il y en a même sur mon téléphone et mon appareil photo. Bon mais je vais tout nettoyer, regonfler un ballon et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai tout nettoyé. Allez, c'est parti pour regonfler l'autre ballon. Allez, je fais le nœud et là j'espère que cette fois c'est la bonne. Allez. Là, on le met sur le petit bol. Et maintenant, l'étape que j'avais oubliée tout à l'heure, c'est de mettre de l'huile végétale par-dessus. C'est pour pas que le chocolat accroche. Allez, là. Et là, on malaxe. Comme si on faisait un massage. Là, je masse le ballon. Oh. Par contre, après, je vais avoir les mains toutes grasses. Voilà, celui-là, il est fait. Et maintenant, on fait le ballon jaune qui est parti là-bas. Bon, allez, cette fois, c'est la bonne. Du coup, je commence à étaler le chocolat sur le ballon. Voilà.
on va étaler plusieurs couches. Alors là, c'est parti pour la première couche. C'est bon, la première couche est terminée. Maintenant, on passe au ballon jaune. On va laisser refroidir ce chocolat tranquillement à l'air libre. Et si vous voulez que ça aille plus rapide, vous pouvez aussi le mettre au frigo, c'est la même chose. Mais moi, j'ai le temps. Donc du coup, je le laisse comme ça à l'air libre. Et ensuite, je vais repasser une autre couche par-dessus. Bon bah allez, à tout à l'heure. Le chocolat a bien durci. Bon, maintenant, on passe à l'étape très délicate. C'est de percer le ballon sans casser la coque en chocolat. Alors pour ça, je prends le petit ciseau et je vais faire un petit trou là, au bord. J'espère que ça va marcher, hein, parce que sinon, il faut tout refaire l'étape. Bon allez, un petit trou là, je vais essayer de faire. Ah mais déjà, si le ciseau coupe pas, je suis mal parti. Parce que moi, j'aimerais bien le faire exploser comme ça là. Mais si ça le casse, je serais vraiment dans la merde. Bon, je vais retourner la coque au chocolat. Je vais mettre la coque au chocolat comme ça. Alors regardez. C'est bon, là il y a un petit trou. Ça se dégonfle tout doucement. Bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ah ouais, ça marche, j'ai l'impression. Bon, je vais agrandir le trou, parce que sinon j'en ai pour la journée là. Voilà. Heureusement que j'ai mis de l'huile végétale. Parce que déjà là, c'est un peu juste, ça colle un peu. Alors sans huile végétale, ça aurait vraiment accroché de partout. Regardez la coque en chocolat. Bon allez, c'est parti, je fais l'autre coque en chocolat. Et ensuite, on mettra le chocolat blanc à l'intérieur. Bon allez, j'espère pas la casser ça aussi. Allez, je la retourne. Je fais un petit trou là, ici. Oula. Oula. Celle-là, ça allait trop vite. Ça l'a presque cassé. Bon, heureusement, j'ai pas fait trop de dégâts. Oh là là, regardez ça. Celle-là, ça allait super vite. Bon, par contre, elle est un peu plus petite. Mais par-dessus, normalement. Ouais, quand je vais recoller les bouts, ça sera parfait. Bon, allez, c'est parti pour faire fondre le chocolat blanc. Allez, du coup, maintenant, on va faire fondre du chocolat blanc pour faire l'intérieur de la coque en chocolat. Bon, allez, on fait fondre tout ce chocolat blanc au micro-ondes quelques secondes. Bon, ben, à tout à l'heure. Le chocolat blanc a bien fondu. On met une louche à l'intérieur. Bon, là, on en met pas mal. On se croirait à la cantine. Hein. Allez, hop, putain, une louche pour toi. Une louche pour toi. Voilà, allez, on en met pas mal. Je vais un peu en rajouter. Et ensuite, sur les bords, on le fait au pinceau. Voilà, c'est un peu plus simple. On fait maintenant l'autre œuf en chocolat. Allez, j'ai mis une quantité de chocolat à l'intérieur. Et c'est parti pour le garnir. Voilà, allez, maintenant, il faut attendre que le chocolat blanc durcisse à l'intérieur. Bon ben, à tout à l'heure. Le chocolat blanc a bien durci dans l'œuf à chocolat. Allez, maintenant, je vais le poser sur une plaque bien chaude pour égaliser les bords. Et au moins, après, on pourra le coller. Mais juste avant, à l'intérieur, je vais y mettre, parce que c'est quand même un œuf surprise XXL. Du coup, je vais mettre pas mal de Kinder Bueno à l'intérieur. Ça va être trop cool, là. Bon, je vais mettre, je sais pas, allez, deux paquets. Et mis ici, comme ça, à l'intérieur de Kinder Bueno. Bon bah allez, c'est parti pour égaliser les bords et rajouter les Kinder Bueno à l'intérieur. Regardez le résultat de ce Kinder Surprise XXL. C'est bon, il a bien durci. Regardez. Non, ça fait les maracas. Bon allez, c'est parti pour la dégustation. Et surtout, pour l'éclater. Bon allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1... En vrai, je suis déçu, parce que là, je vais le casser. Bon, tant pis. Allez, soyons fous. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, c'est partagé en deux carrément. Bon, voici les petites surprises à l'intérieur. Où je mets du chocolat partout.
Bon, voici les petites surprises. Hein. C'est des bouts de Kinder Bueno. Ça, vraiment, c'est excellent. Mmh. Alors, bon, du coup, je le goûte. Hein. C'est un Kinder Surprise. Hein. Du chocolat. Rien que ça. Ah, mais c'est trop bien. Vraiment, ça pour Pâques. Hein. C'est exceptionnel. C'est excellent. Bon, allez. Bon appétit. Hein. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bombardez à fond de pouces bleus et surtout abonnez-vous à TikTok, à Instagram et à YouTube ici même. Bon, mais sur ce, bon dimanche, bisous à tous et rendez-vous dimanche prochain parce que je vais faire un chocobon XXL. Bon, allez, ciao ciao!